Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est à vous de me le dire. C'est pas moi qui l'ai tué. Je crois que si, espèce de salaud. Vous faire arrêter n'est plus qu'une question de temps. J'espère seulement que ce sera bien avant que vous n'assassiniez quelqu'un d'autre. J'aimais bien Thérèse. Jamais je ne lui aurais fait de mal. Est-ce que c'est vrai? Vous aviez tous les deux une manière plutôt étrange de vous montrer votre affection. Je vous en prie, inspecteur. Je dois savoir ce qui est arrivé à Thérèse. Il est arrivé beaucoup de choses à Thérèse, en vérité. Je crois que ça se résume de la manière suivante. Quelqu'un l'a suspendue et l'a badigeonnée avec son propre sang, Craig. Je tuerai ce... qui que ce soit, je jure, je le tuerai. Je suis sûre que les bons citoyens de cette ville dormiront plus tranquillement en l'apprenant. Pourquoi vous n'interrogez pas Paul Warner? C'est lui qui est derrière tout ça. Il ferait n'importe quoi pour protéger ce projet Threshold. Pourquoi vous l'arrêtez pas? Bon sang, c'est vrai, je devrais aller l'arrêter tout de suite. Oh, juste pour les besoins de l'enquête. Qui vous a donné cette information? Des extraterrestres? Sortez! Sortez de chez moi! Bien, mais je reviendrai, espèce de salaud, je reviendrai pour vous coller dans une cellule! Où est le courrier? Il devrait être là, ce temps-là. Je t'adore, Blob. Et quoi qu'il arrive, je ferai tout pour que tu ne manques de rien. Je dois voir le docteur Harburg. Tout de suite, j'ai un gros problème et je... Oui, monsieur, je vais la chercher tout de suite. Oui. Docteur Harburg à l'appareil. Doc, c'est Curtis et... J'ai de graves problèmes. Il faut que je vous voie... Oh. C'est Thérèse, elle... Elle a été assassinée, je... Oh mon Dieu, non. Ne dites rien au docteur Marek, il est dans le coup. Enfin, je veux dire, ils sont tous dans le coup et je... Oh mon Dieu, Doc,
je dois vous voir tout de suite, mais je... Tout ira bien, Curtis. Venez tout de suite, d'accord? Oui, ok, oui. D'accord, oui. Que puis-je faire pour vous, docteur Harburg? Trisha, pouvez-vous dire à la sécurité qu'un de mes patients vient me rendre visite et je crois qu'il est en pleine crise psychotique violente. Mais je vous en prie, ne le faites pas arrêter. Assurez-vous seulement que la sécurité soit prête au cas où. Enfin, si je l'appelle, d'accord? Bien sûr, docteur. Merde! Oh, Marek! Oh, espèce de saloperie malsaine, fils de pute! Curtis. Oh, vous aviez raison. Il est à moi! Docteur Harburg? Si je n'étais même pas là. Tu n'as pas utilisé tes mains, Curtis. Tu n'en as pas besoin. Tu as utilisé ton esprit tordu, dérangé et meurtrier. Oh, attrapez-le. Oh, attrapez cette chose. Oh mon Dieu. Oh, très bon, tu m'as fait une de ces frousses. Curtis, écoute. J'ai profondément fouillé dans le réseau de la société. Intéresse-toi à autre chose, mon pote. Ça pue. Je peux pas, Trevor, je peux pas abandonner. Tu ne comprends pas, Curtis. Je me suis donné toutes les autorisations. J'ai tout vu. Ils n'ont pas arrêté de synthétiser des choses illégales, crois-moi. Ils ont tué auparavant. Oh mon Dieu. Je vais voir la police. Aucun job ne vaut ce risque. Curtis, je ne veux plus m'en mêler, c'est trop dangereux. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Curtis, tu sais, je t'aime. Ouais.
Trevor! Trevor! Espèce de fumier! Voulez-vous de moi? Je veux uniquement ton bonheur, Curtis. Tu as presque perdu l'esprit, n'est-ce pas? Tu te sentirais tellement mieux si tu abandonnais tout de suite. On prendra bien soin de toi à l'asile. Laissez-moi tranquille! Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas, Curtis? Je ne suis qu'un pigment de ton imagination dérangée. Si tu t'abandonnais à moi, si tu me laissais prendre ta place, tu serais tellement plus heureux. Ça ne te fera aucun mal. Ou presque. Non! Thank you.
J'aurais tant voulu ne pas être obligé d'en arriver là. Qu'est-ce que je viens d'entendre à l'instant, Paul ? Des créatures de la dimension X, bien sûr. Vous avez tué mon père, n'est-ce pas ? Il est devenu rapidement gênant. Tout le monde n'est pas assez fort pour supporter le sacrifice de cobayes humains pour de la recherche. Espèce de pourriture ! Vous savez, c'est une bonne chose que votre cher vieux père n'ait jamais su qu'il n'avait pas vraiment récupéré son petit garçon. Il aurait perdu la tête bien plus tôt encore. De quoi vous voulez parler ? Vous ne vous rappelez pas ? J'ai jeté le pauvre petit Curtis là-dedans. Mais il n'est jamais revenu. Vous avez pris sa place. Vous êtes une réplique. Vous êtes une sorte d'imitation humaine. Ces choses qui habitent de l'autre côté vous ont fabriqué dans de la matière inerte à partir de rats morts, ainsi qu'un petit morceau de tissu cérébral de Curtis. Alors, je dis à votre père que c'était bien vous, qu'il y avait eu un terrible accident. Et il m'a cru. Parce qu'il voulait croire. Non. Si. J'en ai bien peur. Vous avez commencé à vous rappeler de cela il y a un an, et c'est pourquoi nous vous avons mis à l'hôpital, pour vous observer de près. Je devrais même dire de très très près. Ah, vous voyez, nous vous observons comme un insecte mis sous une cloche. Depuis que ces choses vous ont craché de l'expérience Threshold. Où suis-je ? Où est-il ? Permets-moi de me présenter, mon cher Curtis. Curtis Craig, à ton service. Non, mon Dieu, non ! Non, c'est pas possible ! Tu es long à comprendre, boule de protoplasme. Ce que tu vois devant toi est une projection électrique. Une manifestation de ma haine pour toi. Mon corps humain est de l'autre côté. C'est une ruine tordue et rapiécée, gardée en vie grâce à la cannibalisation de pièces de cadavres. Ces choses amorphes et horribles continuent leur vie tout autour de ma personne. Combinant, recombinant, remodelant les monstrueuses choses que Warner leur donne, ils ne me touchent jamais. Oh, je suis navré. Vraiment ? Es-tu navré que mon corps soit une écœurante abomination ? Es-tu navré que je n'ai pas dormi depuis 20 ans ? Je suis resté éveillé, Curtis, pour t'observer.
augmentant ma puissance pour ensuite pouvoir te maltraiter, te détruire, prendre ta vie comme tu as pris la mienne. Ce n'est pas ma faute, j'ai rien fait pour... Je suis une victime, moi aussi. Pauvre bébé. Ta souffrance cessera très bientôt, Curtis. Quand ton esprit chancellera enfin, ton corps m'appartiendra. J'ai failli t'avoir, tu sais. Quand tu étais à l'asile. Enfin, presque. Non. Non, non, arrêtez. Il est temps de partir, Curtis. Dis au revoir à ta santé mentale.
bête craigne. Maintenant. Voyons voir de quoi sont faits les petits mutants masculins. Je t'aime, Curtis. Même en sachant que tu m'as trompé avec Thérèse. Josh, je... Je t'aime beaucoup trop pour te laisser m'échapper. Combien de temps il te faudrait pour venir me rejoindre ici? Trevor? Curtis. J'ai décidé d'accepter de t'embrasser, Curtis. Rie pour mourir, monstre. Dieu, Trevor, pitié, ne fais pas de mal. Mais Curtis, je veux vraiment un baiser. Tom! Tom, je jure devant Dieu, ce n'était pas de ma faute. Tom, ce n'était pas de ma faute.
Je t'aime, maman. Oh, my God.
Peux-tu croire qu'un cadre aussi connu que Paul Warner ait tué toutes ces personnes? Bien sûr que oui. Les cadres sont le mal incarné. Où penses-tu qu'il soit à présent? Oh, à Panama, en train de se la couler douce. Oh, tu vas adorer le bikini que j'ai acheté. Il est tellement petit, tu sais, il est grand comme ça. Et j'ai acheté de la lotion solaire à fort indice pour éviter que tu prennes des coups de soleil.
Oh, ça va être magnifique. La mer bleue de la Côte d'Azur, des plages baignées de soleil. Oh, tu ne vas pas le regretter, Curtis. Je te le promets. Mm-hmm.